Des fois, tu poses ta perruque, toi-même tu sais, c'est pas bien posé, mais bon, tu dois sortir, bien tu dois aller au travail. Donc tu mets un petit truc là, un serre-tête ou tu arranges un peu les cheveux façon. Ah, la perruque n'est pas bien posée, mais bon, on y va quand même. Et puis toi-même tu dis que faut pas que quelqu'un va regarder sur ta tête parce que vraiment, toi-même tu n'es pas trop convaincu, tu vois, non? Bon. Tu vas pas prier là, ça c'est des prières futiles. Tu vas pas dire au Seigneur de frapper d'aveuglement les gens. Mais c'est toi-même qui as chaud. Et puis un jour, Natouche te propose une perruque. Aïe, aïe, aïe. Une perruque même. Ah, elle pose la perruque comme ça là. Toi-même, tu vois la perruque. Tu es convaincu. Ah, tu poses la perruque, perruque indétectable. Et puis tu prends les transports maintenant. Ah, maintenant là même tu veux même plus monter dans la voiture, tu préfères transport. Et puis quand tu passes comme ça là, les gens te regardent toi-même. Tu lis dans les yeux des gens, ah, elle a des jolis cheveux. Hein? Et puis tu lis aussi dans les yeux des autres aussi qui disent, est-ce que c'est une perruque ou bien ce sont ses cheveux? Toi-même tu es là, tu souris. Ah, tu fais ton malin, tu attrapes tes cheveux, tu fais ça. Tu es à l'aise, tu es convaincu. Que la perruque est indétectable. Aïe, appelle Natouche seulement, appelle-la, la perruque est trop mal chic.